We'll be right back.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette finale Université Paris Sciences et Lettres de ma thèse en 180 secondes. On est le 6 mars, on est rue Mazarine, on est en compagnie de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs qui vont avoir le privilège de présenter devant un jury prestigieux leur thèse en 3 minutes. Vous connaissez le principe, 3 minutes, une seule slide pour présenter des années de recherche. Ils ont relevé le défi cette année aussi, ils sont un peu stressés, on peut les comprendre, mais très enthousiastes aussi, on va les entendre dans quelques instants. Merci à toutes et à tous d'être derrière vos ordinateurs pour suivre cet événement en direct. Vous pouvez bien sûr commenter cette vidéo sous l'espace commentaire dédié à cet effet. Je vais vous présenter dans quelques instants les membres de ce jury qui ont accepté de nous rejoindre pour faire ce difficile travail d'évaluation des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs qui se livrent à l'exercice. Avant de commencer à proprement parler cet événement, je voudrais qu'on donne la parole à celui qui va ouvrir à proprement parler cette finale. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir le vice-président de la recherche et de la formation graduée à Paris Sciences et Lettres. J'ai nommé Hubert Bost. Bonsoir. Merci. Bonjour. Il est 16h, on dit encore bonjour. Merci beaucoup. Alors, bienvenue aux candidates et aux candidats. Ça va modifier quelque peu l'exercice auquel vous allez vous livrer. Ça va ajouter un piment particulier, disons. Et je suis sûr que celles et ceux qui vous suivent derrière leur écran sur YouTube ou sur Facebook vont pouvoir apprécier d'autant plus la performance de chacune et de chacun d'entre vous. Donc, vous venez d'établissements différents de PSL. Vous avez, en quelque sorte, formé une sorte d'équipe, bien que vous soyez concurrent à l'intérieur de cette équipe. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici au siège de PSL. Je vous souhaite à tous et à tous beaucoup du courage nécessaire, aussi bonne chance et bon vent pour, au-delà de ma thèse en 180 secondes, la réalisation de votre travail. Bravo d'avance. Merci beaucoup, Monsieur Bost, pour ces mots d'encouragement et d'enthousiasme. Et ils en manquent pas, hein, d'enthousiasme. Ils en ont très, très envie de présenter leurs travaux de recherche, même si c'est dans un cadre particulier, on l'a dit à l'instant. Alors, évidemment, il y a des enjeux à cette finale, comme dans toute finale. Quels sont-ils, ces enjeux? Il y en a deux. D'abord, deux parmi ces 12 jeunes chercheuses et jeunes chercheurs recevront un prix de 300 euros sous forme de chèque cadeau offert par PSL, en soi. C'est pas négligeable. Et puis, il y a également le deuxième enjeu qui est celui de représenter l'université PSL lors des demi-finales qui se tiendront du 2 au 4 avril 2020 pour peut-être ensuite aller en finale nationale de ma thèse en 180 secondes. Ce sera le 9 juin, ce sera à Reims, dans une ambiance qui promet d'être particulièrement chaude. Évidemment, vous connaissez probablement toutes et tous les ambiances de ma thèse en 180 secondes, c'est quelque chose. Je vous souhaite le meilleur, évidemment, et je vais, avant de lancer à proprement parler cet événement, présenter celles et ceux qui sont justement chargés eh bien, de noter, en tout cas d'évaluer vos prestations. Ils sont en face de moi. Ils sont au nombre de 5. C'est le jury et présidé cette année par Madame Valentine Zuber. Bonsoir, bonjour Madame, je ne sais pas pourquoi je veux dire bonsoir à chaque fois, il est 16h, hein. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Bon, je suis très heureux que vous soyez là, vous avez un micro, hein, si vous voulez intervenir au cours de l'événement, vous pouvez prendre ce micro pour échanger. Vous êtes, Madame, directrice d'études à la section Sciences des religions de l'EPHE-PSL, je ne me trompe pas? Tout à fait. Et vous êtes donc présidente de jury, je l'ai dit, et vous êtes historienne de formation spécialiste de la laïcité. On y reviendra dans quelques instants. Au cours de l'événement, j'aurai l'occasion, mesdames et messieurs, de donner la parole à ces membres du jury qui nous font le plaisir d'être là pour en savoir plus sur leurs activités. Il y a à votre droite, madame Valentine Zuber, à votre droite, De Vulder, madame Anne De Vulder, vice-présidente vie étudiante, responsabilité sociale et environnementale de PSL. Merci d'être avec nous. On peut vous applaudir. À votre gauche, Madame la Présidente, il y a François Quéré, Monsieur François Quéré, qui est directeur du développement des publics et de la communication à Universcience, un spécialiste de la médiation scientifique, s'il en est. Et à votre gauche, Monsieur Quéré, il y a Madame Nelly Manoukian, qui connaît bien ma thèse en 180 secondes, qui est directrice de la communication de PSL. Merci d'être avec nous cette année encore. Et enfin, last but not least, on a la chance d'avoir celui qui a été le lauréat de l'édition précédente, ici même, à PSL. C'était des bons souvenirs, on y reviendra tout au long, à un moment donné de cet événement. Il s'agit d'Alexandre Fossati, c'est, je l'ai dit, le lauréat PSL MT 180, édition 2019. On applaudit également. Voilà un super jury.
un super jury pour évaluer des super candidats. Tout est parfait. Je vous propose de commencer. 12 jeunes chercheuses, je l'ai dit, 12 jeunes chercheuses et jeunes chercheurs, plus exactement 8 filles et 4 garçons pour cette édition. Et on commence sans plus attendre, si le jury en est d'accord. Hein, y a, voilà, ils en peuvent plus, donc autant y aller. Avec une chercheuse qui vient de PHEPSL, elle est en deuxième année de thèse. Mesdames et messieurs, le titre de sa thèse est le suivant: les grands magasins et les boutiques à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, architecture, aménagement et enjeux sociaux économiques. Pour en parler, je vous prie d'accueillir, en l'applaudissant très fort, Camille Napolitano. Mesdames et messieurs, Camille Napolitano. Ça va, Camille ? Ça va. Allez, un petit micro. Les règles du jeu, je les ai données, je les redonne très rapidement. 180 secondes, bien sûr. Une seule slide en support. Camille, quand vous êtes prête, vous faites un signe ostensible à la régie et on lance le timer. Nous allons faire ensemble un voyage dans le temps. On est à Paris en 1925. C'est la date à laquelle la France se relève du traumatisme de la Première Guerre mondiale et choisit de le montrer au monde entier en organisant un événement médiatique majeur, l'exposition internationale des arts décoratifs. L'expo de 1925, c'est quoi ? Eh bien, c'est une ville fictive aménagée en plein cœur de Paris, pour une durée de 6 mois, dans lesquelles vous sont exposés des objets d'art décoratif dans des bâtiments que l'on construit pour l'occasion et que l'on appelle des pavillons. Et comme dans une vraie ville, on y trouve différents quartiers, et notamment le très chic quartier commercial des grands magasins sur lequel porte ma thèse, et qui était situé sur l'esplanade des Invalides, et se composait de 4 pavillons, celui des Galeries Lafayette, des grands magasins du Louvre, du Printemps et du Bon Marché. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, les grands magasins font aménager leurs pavillons comme de grandes maisons bourgeoises visitables, dotées de nombreuses pièces, dans lesquelles sont mis en scène des objets, comme vous pouvez le voir ici, des fauteuils, des tables, des tapis ou encore des paravents, qui avait été entièrement réalisé par des ateliers d'art décoratif créés directement pour l'occasion par les grands magasins eux-mêmes. En fait, en 1925, les grands magasins inventent le concept du showroom ou de la maison témoin dans lesquelles, dans des pièces inhabitées, vous sont exposés des objets entièrement designés par une même marque dans le but de vous immerger dans des pièces, de vous donner envie d'acheter ces objets pour chez vous et donc de faire de vous de futurs consommateurs. Et en plus, et c'est aussi une grande première à l'époque, deux de ces pavillons étaient adjoints à l'étage d'un salon de thé, ce qui permettait de prolonger un petit peu cette immersion dans le monde de la marque, comme on le fait par exemple aujourd'hui chez IKEA, dont on vante pourtant souvent les pratiques commerciales novatrices, alors qu'en fait pas du tout. Ce que fait IKEA en 2020 existait déjà en 1925, mais dans la version luxe, art déco et années folles. Et en effet, l'un des enjeux de mon travail, c'est de comprendre comment sont nés ces systèmes socio-économiques encore d'actualité aujourd'hui, en montrant la continuité et le glissement de certaines pratiques commerciales bourgeoises d'hier vers des pratiques commerciales populaires d'aujourd'hui, et surtout de voir comment cela se traduit en architecture, en m'appuyant sur le cas d'une architecture commerciale révolutionnaire pour son époque, les grands magasins en 1925. Car, en définitive, l'objectif de ma thèse en histoire et théorie de l'architecture, c'est de comprendre et de montrer comment, quelle que soit l'époque, l'architecture et son décor peuvent à la fois créer une expérience immersive qui va permettre de stimuler notre imagination, mais aussi créer en nous de nouveaux désirs et ainsi influencer les modes de vie que l'on va choisir d'adopter individuellement d'abord, puis collectivement, pour finalement se faire le reflet des enjeux politiques, économiques, sociaux et culturels d'une société à un moment donné de son histoire. Je vous remercie. Camille Napolitano était donc la première des jeunes chercheuses à venir présenter cette thèse donc menée à l'EPHEPSL, deuxième année, je le disais. Oui. Vous faites quoi à côté, Camille ? Je crois que vous enseignez. Oui. Tout à fait. Où ça ? J'enseigne au CPES de PSL, j'enseigne aussi à l'École du Louvre et à l'Institut National du Patrimoine, l'Histoire du Dessin. Et vous enseignez quoi ? Alors, au CPES, j'assure un TD d'HTA d'Histoire et Théorie de l'Art, à l'École du Louvre, l'Histoire de l'Architecture à l'époque contemporaine et l'Histoire du Dessin à l'époque contemporaine à l'Institut National du Patrimoine. Donc une vraie appétence pour l'enseignement, une vraie appétence pour la transmission.
Tout à fait. Ça vous donne envie de faire quoi plus tard, après la thèse? Je sais, ce n'est pas un sujet qu'on aborde facilement. Mais j'aimerais qu'on le fasse ensemble, collectivement. Dans l'idéal, oui, j'aimerais être enseignante-chercheuse à l'université, dans un grand institut d'histoire de l'art. Voilà. Et ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Très belle continuation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez reposer ce micro. Et je vous propose qu'on passe maintenant, sous les applaudissements nourris de ce public, qui est là, qui est bien là, qu'on passe au deuxième jeune chercheur qui vient présenter sa thèse en seulement 180 secondes avec en support une seule slide. Il vient de l'Institut Curie, il est en troisième année de thèse, ce jeune chercheur. Le titre de sa thèse est le suivant, « Modélisation de réseaux biologiques appliqués à l'analyse de survie des patients atteints de cancer ». Mesdames et messieurs, merci de recevoir Jonas Béal. C'est juste là. Voilà. Bonjour Jonas, même règle, quand vous êtes prêt, un signe en régie, et on est parti. C'est une histoire de famille. Tout est calme dans la maison, il fait nuit, quand soudain, l'incendie. Un cri retentit, le père appelle les secours, maman réveille les enfants, tandis que des cousins se relaient avec des seaux d'eau, puis se coordonnent avec les pompiers, tout juste arrivés. Sauvé. Quelle était la clé? Communication et coopération. Sauf que cette famille solidaire est composée en réalité de gènes et de protéines qui ne protègent pas vos maisons, mais vos cellules. Et j'étudie justement comment l'information circule entre les membres de cette famille, notamment en cas de crise. Sauf que c'est une famille nombreuse, plusieurs centaines d'individus. Je fais donc appel aux milliers de scientifiques qui auscultent spécifiquement le comportement d'un gène et de son ADN, d'une protéine et de ses cousines. Ils me fournissent le portrait robot biologique de chacun. Le gène qui ne parle qu'en présence de son frère, ou bien la protéine facilement influençable. Muni de toutes ces informations, je définis des règles mathématiques pour traduire ces contraintes familiales. Si papa dit oui et maman non, par exemple, que feriez-vous? N'en répondez pas, nous sommes filmés. J'intègre tout cela dans un modèle informatique qui résume la communication des rails. L'harmonie se brise comme un brin d'ADN. En cas d'incendie, c'est la cacophonie, le feu l'emporte. Cette maladie de la communication cellulaire, dans mon cas, c'est le cancer. Seulement voilà, toutes les familles heureuses se ressemblent, mais les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. Joliment dit, n'est-ce pas? Ce n'est pas de moi, mais de Tolstoï, qui résumait donc ma thèse en 5 secondes seulement, et je ne suis même pas sûr qu'il l'ait lu. Pourtant, il a raison, tous les cancers sont différents. Je dois donc étudier la famille moléculaire de chaque patient individuellement. Celui-ci a un gène qui parle à tort et à travers, comme votre petit neveu. Celui-là a une protéine qui n'entend et ne transmet plus les messages, comme votre vieil oncle, un peu sourd. Pour chacun, je reconstitue donc un modèle qui intègre ces spécificités, afin de pouvoir étudier toutes sortes de thérapies familiales informatiquement, et de ne retenir pour chaque patient que celle qui fonctionne le mieux pour lui, celle qui va cibler la bonne protéine médiatrice. Pas sûr que Tolstoï soit allé jusque-là. C'est ce que l'on appelle de la médecine personnalisée. Et c'est mon objectif, avec un ordinateur et les milliers de scientifiques qui m'aident à le nourrir de connaissances. Avec ça, j'espère pouvoir pacifier quelques familles, ou au minimum, j'aimerais pouvoir expliquer ce que je fais à la mienne. Waouh ! Jonas, 180 secondes, c'est 180 secondes. On fait ce qu'on peut. Ah ben c'était pour le coup, pour autant que je puisse en juger, je ne suis que l'animateur, plutôt pas mal fait. Institut Curie, je l'ai dit, troisième année, je le dis. Qu'est-ce qu'on fait après la recherche? Après la thèse, pardon, justement. Est-ce qu'on continue la recherche plutôt, Jonas? Et si oui, dans quel cadre? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ensuite? Je pense que j'aimerais bien aller voir plutôt côté start-up, côté entreprise biotechnologie, quelque chose comme ça. En créer une, je ne sais pas, mais en tout cas, au moins y participer, ça m'intéresserait. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez participé à ma thèse en 180 secondes cette année? Vous aviez eu peut-être... Une envie de me coltiner un peu, justement, la vulgarisation. Je trouve que sans poursuivre mon pitch en tant que tel, c'est souvent un peu difficile. Donc, Alors, c'est au moins une occasion pour la septième fois. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est au moins une occasion... La maman ou le papa. Voilà. Hein. Tout à fait. Au moins, ils pourront regarder ou re-regarder, on ne sait jamais. C'était super de vous avoir, Jonas, pardon, pour cette finale. Très belle continuation. On vous applaudit et on va passer au troisième candidat.
Je précise bien sûr, chers membres du jury et chers spectateurs qui nous regardent en direct sur les réseaux sociaux et sur YouTube, je crois, que bien sûr ces petits échanges que j'ai à l'issue des pitchs en eux-mêmes ne sont destinés qu'à permettre aux membres du jury justement de finir de prendre les notes de manière qualitative, attentive, assidue. Et voilà, de prendre le temps et de ne pas enchaîner les pitchs, c'est parfois sinon difficile d'évaluer. Et bien sûr, ce n'est donc pas du tout un petit entretien qui fait l'objet d'une notation. Voilà. Les choses sont évidentes, je préfère quand même les rappeler. Là, on va changer maintenant d'établissement membre de PSL. On va parler d'une jeune chercheuse qui travaille à Mines Paris Tech PSL. Elle est en deuxième année de thèse, cher membre du jury. Le titre de sa thèse, c'est « Formalisation d'un environnement d'aide à la conduite de mission d'un navire, application à la sécurité et sûreté maritime ». Je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs, sur scène, Eva Artusi. Qu'on applaudit bien fort. Ça va ? Oui ? Bonjour, Eva. Bonjour. J'allais vous donner la télécommande. Ça aurait été compliqué. On pitch mal avec cet engin-là. Eva, quand vous êtes prête, oui. Un petit signe et 180 secondes pour parler de vos travaux de recherche. Nous voici à bord d'une frégate militaire dans le détroit de Gibraltar. C'est ici que se trouve le navire de commerce que nous devons secourir. Mais aujourd'hui, les conditions météorologiques ne sont pas très favorables. La mer est agitée, nous manquons de visibilité. Et pour couronner le tout, le détroit de Gibraltar est une véritable autoroute de la mer. Traversé par plus de 250 navires par jour, ce qui augmente considérablement le risque de collision. Non mais attendez, vous voyez au loin ? Un cargo vient de rater sa trajectoire et se situe à quelques mètres à la perpendiculaire de notre frégate. C'est une situation d'urgence. Et sur une échelle de degré d'urgence de 3, nous sommes à 3. Si nous ne reconfigurons pas instantanément la trajectoire de notre frégate, nous allons à la catastrophe. Le commandant possède des outils d'aide à la décision pour l'aider à prendre une décision adaptée à la situation. Mais ici, il ne dispose pas d'assez de temps et doit s'en affranchir. Après avoir analysé les données météorologiques, le trafic maritime avec le nombre de navires qu'il y a, leur trajectoire, leur position, leur vitesse, enfin, toutes les données massives qu'il a à sa disposition, il a pris sa décision. Nous engageons notre manœuvre par tribord pour contourner le cargo. Mais voilà, au bout de quelques secondes, nous entendons un bruit assourdissant retentir. Nous venons de rentrer en collision avec un rocher à fleur d'eau. Trop de données à analyser, à corréler, trop focalisées sur le danger, le commandant en a oublié que nous étions en petit vent. Alors je ne sais pas vous, mais je souhaitais que notre mission soit un succès. Mettons sur pause notre histoire un instant. Je propose de modifier les outils d'aide à la décision existants en créant de nouveaux, basés sur des techniques d'intelligence artificielle. Je vais créer une machine intelligente qui sera capable de réagir dans un environnement dynamique, l'environnement de notre frégate, en temps réel. Cette machine intelligente ou algorithme aura dans cet environnement un certain état, ici position, vitesse, cap, et choisira une action pour passer d'un état à l'autre. Une fois l'action prise, l'algorithme recevra un gain. Sous forme de récompense, s'il atteint l'objectif souhaité, par exemple ici, venait en secours au navire de commerce, ou sous forme de sanction, s'il rentre en collision avec un obstacle, par exemple ici, notre rocher. Je vais entraîner l'algorithme pour qu'il maximise son gain, c'est-à-dire qu'il comprenne qu'il doit atteindre l'objectif en évitant tous les obstacles qu'il y aura sur son passage. Le but final de cette machine sera qu'elle vienne en aide au commandant en temps réel lorsqu'il y aura trop de données et peu de temps de réaction. C'est ainsi que notre histoire se terminera bien. Voilà. Là aussi, ça va Eva ? Pardon, oui. Oui, ça va. Moi, je voudrais qu'on applaudisse Eva. Tout spécifiquement, parce que vous l'avez probablement entendu, il y a eu à la fin une petite virgule sonore qui aurait pu en troubler oui. D'autres que Eva. Très heureux de vous avoir entendu. On va, de même. Voilà, juste bien sûr avoir un tout petit échange. C'est une thèse qui est financée comment ? Alors, c'est une thèse CIFRE. C'est quoi une thèse CIFRE ? Alors, une thèse CIFRE, c'est une thèse qui est faite à la fois dans l'industrie et en partenariat avec l'académie. Et là, l'industrie, en espèce, c'était quoi comme entreprise ? L'industrie, c'est Naval Group.
qui est une industrie de défense et qui construit notamment bâtiments de surface et sous-marins. Voilà. Très bien pitché. Dommage que ce ne soit pas évalué, mais très bien pitché. Des hobbies éventuellement, je crois que vous êtes une passionnée de danse. Alors oui, à côté de ma thèse, je fais énormément de danse. Voilà, j'en fais... Mais quel type de danse ? Je fais essentiellement du classique, du modern jazz, mais je fais aussi tout type de danse, ça va être du hip-hop aussi, de la zumba, des choses un peu plus variées. Oui, c'est très varié. Ouais. Est-ce que ça vous donne envie de faire Dance My PhD ou PhD ? Oui, alors vous m'en avez parlé la dernière fois. Ouais. Oui, bah pourquoi non, pas. Non, cet entretien n'est pas du tout préparé. Pardon ? Merci d'avoir complètement mis en l'air cette séquence, Eva. Quelle ambiance. C'était Eva Artusi qu'on applaudit très fort. Merci beaucoup. C'est Dance Your PhD, un concours qui existe vraiment. Peut-être qu'un jour, on arrivera à l'introduire en France, qui sait. La quatrième jeune chercheuse qui vient se présenter devant vous, chers membres du jury, chers spectateurs qui nous regardaient derrière vos écrans de smartphone et d'ordinateur, est une jeune chercheuse dont la brièveté du titre de thèse rend songeur, puisque le titre de sa thèse, c'est « Le corps ascétique ». Point. J'ai envie de dire bravo. En soi, vous avez gagné un prix hein, de la brièveté de l'intitulé. Plus sérieusement, elle nous vient d'ENSPSL. C'est une chercheuse qui est docteur. Elle a soutenu sa thèse. Et elle s'appelle Manua Lee. Mesdames et messieurs, je vous propose d'applaudir très fort et d'accueillir très fort notre quatrième candidate. Bonjour, Manua Lee. Voici un Bonjour. Micro. Merci. Dès que vous êtes prête, nous vous écoutons. Connaissez-vous quelqu'un qui puisse renoncer au vin et qui ne mange pas à sa faim ? Connaissez-vous quelqu'un qui dort sans maison et qui n'a rien qu'un manteau, qu'un bâton ? C'est un mendiant, me direz-vous. Un STF ? Un fou ? Vous y êtes ? Presque. C'est un philosophe. À l'origine, ce sont les philosophes qui mènent une vie d'ascète, une vie de privation librement choisie. Pour Sénèque ou Marc Aurèle, l'ascèse, c'est un exercice de soi. En mettant à l'épreuve son corps, on travaille l'esprit pour atteindre la vérité et le bonheur. Mais la philosophe en moi se demande: le corps est-il condamné à souffrir dans l'exercice de l'ascèse ? Inspirée par la philosophie chinoise, ma thèse essaye de montrer que le corps n'est pas destiné à souffrir dans l'exercice de l'ascèse, mais qu'il peut, au contraire, s'y épanouir. Je vous emmène en Chine du 3e siècle, où la vie d'ascète ne veut pas dire la privation de plaisir corporel. Pour le grand musicien lettré et taoïste Zikang, il s'agit de cultiver un goût subtil pour savourer le quotidien. Se baigner dans source d'eau pure, se sécher au soleil du matin et s'apaiser au son de la musique au milieu de la forêt de bambou. Le corps, au lieu d'être privé de plaisir, se nourrit du plaisir subtil d'une vie simple. Zikang croyait que cette gouvernance du corps lui permettrait de vivre au-delà de 100 ans. Sauf qu'à 39 ans, il s'est fait couper la tête par son prince. En effet, le corps ascétique du philosophe s'engage dans une manifestation non violente contre le pouvoir et les normes. Aujourd'hui, la gouvernance de notre corps, le vieillissement, la procréation, l'esthétique, la diététique, entre autres, devient institutionnalisée, capitalisée et médiatisée. La 16, jadis exercice de soi, devient un objet sociopolitique. Donc, par un détour dans l'antiquité chinoise et européenne, ma thèse essaye de réinventer cet exercice philosophique en revendiquant la place du corps dans notre manière de penser aujourd'hui. Merci. Voilà.
On a un petit souci technique, comme vous l'avez constaté. Est-ce que, cher membre du jury, vous avez entendu la dernière phrase de notre candidate ? Non. Est-ce que tu peux, avec l'autorisation des organisateurs, entendre juste les derniers mots de... Moi, personnellement, je n'ai pas entendu, donc j'imagine que vous non plus. Quel était le dernier mot que tu as prononcé ? Revendiquant le respect du corps dans notre manière de penser actuelle. Voilà. Je fais un petit écart, un pas de côté par rapport au règlement, parce que là, pour le coup, difficile d'évaluer un pitch quand on n'en entend pas tous les mots. Merci beaucoup pour cette présentation, d'autant plus qualitative, me semble-t-il, qu'en 2016, quand tu es arrivée en France, tu viens de quel pays ? La Chine. Tu ne parlais pas français ? À l'époque, non. Voilà. Ça en soi, si vous voulez, bon, j'ai envie de vous dire bravo. Pourquoi tu as voulu faire ma thèse en 180 secondes ? Parce que j'ai envie de vraiment avoir une vraie communication avec le public. En tant que philosophe, je trouve qu'il est important de s'engager aussi dans les problèmes sociopolitiques, justement. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Des formations. Après la thèse, qu'est-ce qui vous... Je suis en train de préparer pour un post-doc et en même temps préparer la publication d'un ouvrage retiré par ma thèse. C'est-à-dire de réécrire ma thèse. Ça y est, vous avez proposé votre manuscrit à différents éditeurs, c'est ça ? C'est ça, déjà. Et oui. Alors, il y a des bons espoirs que le manuscrit sorte prochainement ou... Oui. Ouais. Oui, prochainement. Bon, donc affaire à suivre. J'imagine que si vous sortez un bouquin, les extraordinaires community managers de PSL sauront relayer l'information. Merci beaucoup d'avoir été présente à cette finale de ma thèse en 180 secondes, Université Paris Sciences et Lettres. Merci beaucoup. Merci vous pouvez beaucoup. Rejoindre votre place. Manuel Lee, j'en prends le micro. Merci. N'hésitez pas, voilà, vous allez pouvoir maintenant vous reposer, regarder les autres. Et je sais qu'il y a beaucoup de tension, mais voilà, je me tourne vers 2 minutes vers les membres du jury. Comment ça va, Madame la Présidente ? Vous avez un petit micro. Bah écoutez, tout à fait bien. Nous avons déjà un vaste éventail de sujets et de personnalités, donc ouais. C'est tout à fait intéressant. Le titre de votre thèse, je vais chercher un petit peu, mais pas loin parce qu'elle n'est pas vieille. Les conflits de la tolérance 19e et 20e, du 19e au 20e siècle, Michel Servet entre mémoire et histoire. C'était un bon souvenir, la thèse ? Peut-être pas complètement. Voilà, ainsi s'achève cette édition de ma thèse. Peut-être pas complètement. J'ai surtout souvenir d'avoir été extrêmement seule et de courir un peu après mon directeur de thèse. C'était avant les mails, avant il fallait écrire des lettres ou passer un coup de téléphone sur un téléphone fixe. Enfin, voilà, peu la préhistoire. Et donc, beaucoup alors de solitude. Alors que maintenant, il n'y a plus aucun problème. Les encadrantes et encadrants répondent tout de suite. Mais bon, disons que c'était un petit peu plus compliqué pour ça. Et puis, je dois dire que je suis très, très impressionnée par ce qu'on vient d'entendre, parce que je crois que j'aurais été bien incapable, en deuxième année de thèse, d'expliquer exactement ce que j'étais en train de chercher. Voilà. Bon, bah merci pour votre honnêteté. À votre droite, je le disais tout à l'heure, il y a Anne de Wulder. Qu'est-ce que c'est votre métier, votre mission en tant que vice-présidente de vie étudiante ? Comment vous l'expliqueriez à celles et ceux qui ne connaissent pas cet aspect de PSL aussi ? Oui. Alors, j'ai quand même précisé qu'accessoirement, je suis maître de conférence en mécanique. Aussi. Maître de conférence, maître. Je n'ai pas eu l'info. Voilà. La vice-présidence, c'est une activité... En plus. Enfin, bon, qui remplace, en fait, d'accord. En partie mes activités de maître de conférence. Donc, au niveau de la vice-présidente, donc, on a un périmètre qui est assez large, donc, ce qui s'applique à toute la vie de campus de PSL, donc de l'ensemble des établissements composantes et parfois partenaires aussi, puisqu'on inclut tous les étudiants. Hein. On ne fait pas de différentiel. Et on applique aussi donc, le périmètre de la responsabilité sociale et environnementale qui implique les enjeux du développement durable, qui sont des enjeux où les étudiants s'impliquent beaucoup. Donc, il y a un lien fort dans les deux activités. On essaie de lancer une dynamique sur ces enjeux-là et on s'occupe également de toutes les problématiques d'égalité femmes-hommes, toutes les ça problématiques... Ça fait quand même beaucoup de choses à traiter. Voilà, hein. qui sont environnement, place des femmes dans la science, deux ou trois petits trucs. Quoi. Voilà, deux Léger. Trois petits trucs qui me semblent importants. Votre cœur de métier disciplinaire, j'allais dire, pardon, quand vous êtes maître de conférence, vous le signaliez à l'instant. En mécanique des matériaux. Oui, mais plus exactement, vous intéressez à quoi ? Alors, moi, c'est plutôt une application à la biologie et à la médecine, donc la mécanique
la physique appliquée à la biologie et la médecine. J'ai travaillé notamment sur le remodelage osseux, donc la reformation de l'os humain au cours du temps. Merci beaucoup d'être présente et d'être membre de ce jury. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, cher public, je la refais. Si vous êtes d'accord, cher public, de continuer avec notre cinquième jeune chercheur qui vient présenter sa thèse en 180 secondes seulement. Il vient de l'ESPCI-PSL et le titre de sa thèse est le suivant. Structure, non ça va celui-là, je vais m'en tirer. Structure et propriétés de matériaux composites obtenus par hétérocoagulation de latex de caoutchouc naturel et de noir carbone, Quentin Nozet est avec nous, mesdames et messieurs. On l'applaudit très fort et on l'encourage. Allez, bonne chance, Quentin. Même chose que pour les autres candidats. Une fois que tu es prêt, tu fais un signe ostensible à la régie. Ta slide s'affiche et tu as 180 secondes. La vache que vous apercevez à l'écran s'appelle Caprice. Sur cette photo, elle a 3 mois. Je me souviens qu'à l'époque où mes parents l'ont achetée, mes frères et moi, nous lui donnions le lait au biberon tous les matins. Depuis, Caprice a bien grandi. Et c'est à présent elle qui nous donne du lait quand on la trait à la main, pour en faire un fromage. Ce n'est pas la seule à avoir grandi d'ailleurs. Moi aussi, j'ai reçu mon pelage d'adulte, et les études avançant, je me suis retrouvé sur Paris en thèse. J'y étudie le caoutchouc naturel pour en faire des pneus. C'est le moment où vous vous demandez, mais quel est le rapport avec la vache ? Eh bien, pour vous expliquer ma thèse aujourd'hui, j'aimerais vous convaincre, avec bonne humeur et un peu de culot, que faire un pneu, c'est faire un fromage. Pour faire un pneu, il suffit de traire un arbre, qu'on appelle l'EVA. De cette manière, vous en extirpez un lait blanc et crémeux. La deuxième étape consiste à faire coaguler ce lait, c'est-à-dire à récupérer le plus de matière solide en y ajoutant une bactérie ou un produit chimique. Lorsque votre caoutchouc est coagulé puis pressé, la dernière étape est probablement la plus importante, est l'affinage. Durant cette étape, les saveurs se développent, se complexifient, et le fromage de caoutchouc durcit tout au long du stockage. C'est exactement le sujet de ma thèse. J'essaye de comprendre ce durcissement. Imaginez un affinage trop long. Le caoutchouc serait alors trop dur et il serait difficile d'en faire un pneu pour la route. Si je suis capable de comprendre ce durcissement, alors je peux produire un caoutchouc qui soit adapté à ces conditions d'utilisation. Plus précisément, j'étudie l'organisation des particules à de toutes petites échelles et comment cette organisation évolue avec les paramètres. Par exemple, si j'augmente la température d'affinage, le fromage durcit plus vite. Plus curieux encore, si j'empêche le reste d'eau de s'évacuer, alors mon fromage ne durcit pas. Toutes ces expériences m'amènent à plusieurs questions. Quel est le rôle de l'eau dans tout ce phénomène ? Comment les premières étapes de traite, de coagulation, impactent ce durcissement ? J'ai notamment montré qu'un réseau se forme au fur et à mesure que l'eau s'évapore et développe un maillage de plus en plus dense qui explique ce durcissement. Ceci est essentiel pour l'application pneumatique. Alors pour conclure, ôtez-vous deux doutes de la tête. Le premier, n'allez pas sous prétexte qu'un doctorant vous l'a dit, croquer le premier pneu que vous croiserez en sortant. Toute analogie a évidemment ses limites. Le deuxième, eh bien non. Je n'ai pas commencé cette thèse parce que je suis un fan de fromage, de lait, ou que mes parents ont des vaches en Bretagne. Il est cependant intéressant de constater à quel point notre enfance, nos expériences et la société de manière générale animent toujours les recherches que nous menons au quotidien. Merci pour votre attention. C'était Quentin Nozet, mesdames et messieurs. Quentin, c'est une thèse chiffre, là aussi. Oui, c'est une thèse chiffre. Qui est faite avec qui ? Michelin. Forcément. Les pneus en France. Classique. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de faire après la thèse ? Est-ce que tu y réfléchis déjà ? Ou, parce que je crois que tu soutiens en fin d'année, c'est ça, oui, septembre ? Oui, c'est ça, septembre, ouais. Ouais. Est-ce que c'est la question qui vient trop tôt ? Ou est-ce que déjà, tu as une idée de ce que tu aimerais faire ? Non, je sais déjà ce que je veux faire. J'ai un rêve depuis très petit. Et en plus, j'ai quelques passions. Et donc, l'idée, ce serait de cumuler ces deux choses et de faire une année de théâtre ou de cinéma, dans tout ce qui est écriture de scénario ou mise en scène. Okay. Et en parallèle, de passer un CAP boulangerie en fin d'année, qui se passe en général en juin. Et ensuite, de voir en fonction si je me dirige vers de la recherche, si je me dirige vers de l'académie, si je monte des grandes pièces de théâtre dans des grands théâtres, je ne sais pas. On verra à ce moment-là. Voilà. J'ai beaucoup de projets.
Quentin Nozet, mesdames et messieurs. Merci. Qu'est-ce que vous voulez ajouter ? D'accord, comme quoi la thèse mène à tout. Je vous propose de continuer avec une jeune chercheuse dont le titre de le travail de recherche est le suivant. Modélisation des déformations d'un matelas pour la balistocardiographie des bébés prématurés. C'est une thèse qui est en cours, elle est en deuxième année de thèse, cette jeune chercheuse, elle vient de PHEPSL. Merci d'accueillir et d'encourager Claude Elvire Kengoum-Pellier. Mesdames, Messieurs, elle est là, elle nous rejoint. Bonjour. Même principe que pour les autres candidates et candidats. D'accord. Quand vous êtes prête, un signe à la régie. Okay. Et on est parti pour 180 secondes. Un enfant prématuré est un enfant dont le processus normal de développement et de développement des organes est interrompu. Imaginez vos premières heures de vie. Vos heures de vie alimentées par des sondes, des capteurs qui mesurent chaque seconde vos signes vitaux. Un enfant prématuré, pendant ses 14 premiers jours à l'hôpital, subit en moyenne 60 000 interventions. Les 30 premières sont accompagnées de stress et les 30 000 autres de douleur. Il a été montré que ce suivi continu, accompagné de stress et de douleur, peut avoir des conséquences négatives sur le développement du système neuromoteur. Un enfant sur 10 naît prématuré, ce qui correspond à 50 000, 60 000 naissances par an, l'équivalent de la ville de Bobigny. Je travaille dans une équipe constituée de médecins et d'ingénieurs de différents horizons, dont l'objectif est de mettre sur pied un dispositif médical qui puisse réduire l'impact de ces mesures chez l'enfant prématuré. Un dispositif médical qui devra être non intrusif, non invasif et aussi précis que les dispositifs déjà présents dans les hôpitaux, tels que l'électrocardiogramme. Un dispositif médical qui devra être un matelas intelligent connecté. Un matelas qui devra reconstruire l'activité cardiaque du cœur à l'aide de l'enregistrement des micro-déplacements de la cage thoracique. Enregistrement fait à travers des capteurs placés dans le matelas. Des capteurs, comme on peut le voir, qui soient invisibles. Un dispositif médical qui doit être fiable, efficace et adapté même à la très grande prématurité, dont il est indispensable de comprendre les différents modes de transmission des déformations. Lorsque le cœur bat, lorsque le sang est éjecté de manière saccadée du cœur vers les artères, comment se déforme la cage thoracique ? Comment est-ce que les déformations de la cage thoracique sont transmises au matelas ? Et enfin, comment reconstruire le signal cardiaque à partir des déformations de la cage thoracique ? Je travaille donc sur la modélisation et la compréhension de ces différents modes de transmission des déformations. Je mets alors sur pied, en fonction de ma compréhension du problème, un modèle numérique qui prenne en entrée les déformations de la cage thoracique et retourne en sortie les déformations du matelas. Un modèle numérique qui me permettrait d'optimiser l'emplacement de mon capteur et de remonter du coup au signal cardiaque. Une étape indispensable pour la construction de ce modèle numérique, c'est la caractérisation du comportement mécanique de mon matériau. C'est-à-dire, lorsque j'applique une déformation, comment est-ce que cette déformation se répand sur l'ensemble de mon matériau ? Des effets d'étirement ou de compression me permettront alors d'enrichir ma connaissance sur le matériau. Ce modèle sera validé par confrontation avec les essais expérimentaux faits en clinique, suivant une certaine précision quand ce sera fixé. Pour moi, cette recherche a du sens parce qu'elle apporte une solution à la qualité des soins des enfants prématurés. Elle pourrait également aider pour des patients souffrant de l'apnée du sommeil ou encore des maladies cardiovasculaires. Timing parfait, là encore. Bravo, Claude Elvire, pour cette précision millimétrée. Vous venez du Cameroun. C'est ça. Vous êtes arrivé quand, en France ? En 2013. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ensuite, quand vous aurez votre doctorat en poche ? Je crois qu'il y a un souhait de... Oui. Allez. J'aimerais continuer dans la recherche, vraiment pouvoir transmettre un peu ce que j'ai appris depuis jusqu'à présent. Et donc, voilà. Dans quel cadre ? Enseignante-chercheuse ? Enseignante-chercheuse, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans MT180 ? Moi, je le fais pour quoi ? C'est un peu pour vaincre aussi le public, la peur du public et tout. Et ça va, il est bienveillant, là. Oui, est-ce qu'on peut écouter ce public ? Quelle bande de coquins !
et aussi pour vulgariser, apprendre à vulgariser la science avec des mots un peu plus accessibles à tout le monde. Oui, bah, bravo. C'était un très beau pitch. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette finale PSL de ma thèse en 180 secondes. Claude Elvire. Et si vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux, figurez-vous que oui, vous êtes bien sur ma thèse en 180 secondes, édition Université PSL. On est bien ici avec 12 jeunes chercheuses et jeunes chercheurs qui se succèdent à cette tribune pour présenter leurs travaux de recherche. En seulement 3 minutes, vous pouvez partager vos avis, vos commentaires sous l'espace réservé à cette vidéo. Voilà, bien sûr, évidemment. Je me tourne vers les membres du jury que je vois là encore extrêmement studieux à prendre plein de notes. Je ne vous raconte pas, il y en a partout. Mais ça a l'air d'être quand même très, très bien organisé. Vous en tirez comment, chers membres du jury? François Quéré, c'est quoi le mode d'organisation? C'est des petites notes, c'est... Moi, je trouve ça hyper difficile. Mais voilà, je le dis. C'est clair, c'est difficile. Je trouve ça hyper difficile. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ouais, voilà. C'est la première fois, c'est super. Mais c'est la première fois que vous assistez à ma thèse en 180 secondes ou c'est la première fois que vous êtes membre du jury? Ouais. Voilà. Et je ne pensais pas que c'était si difficile. Vous avez déjà assisté à des éditions de ma thèse en 180 secondes? Oui, j'étais dans le public. J'ai déjà regardé des finales, tout ça. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de l'exercice en tant que médiateur, en tant que spécialiste de la médiation scientifique? Alors moi, je ne suis pas médiateur, mais j'ai pas mal de collègues qui le sont. Je trouve ça assez fascinant. On a pas mal de formats à Univers Sciences, notamment au Palais de la Découverte, où on confronte des chercheurs à nos publics et vice-versa. Notamment des doctorants. On a des programmes d'accueil de doctorants et on en aura toujours plus, je pense, dans le futur. Le sujet, en fait, c'est placer nos médiateurs au cœur des labos et ramener les labos au cœur de nos médiations. On se donne toujours plus de temps. C'est-à-dire 180 secondes, ça nous paraît totalement impossible. Voilà, donc et c'est pour ça que je trouve ça à la fois difficile de juger et difficile pour eux, parce qu'on leur demande de ramasser quand même dans une durée tellement courte énormément d'informations sur le fond, sur la forme, sur ce qu'ils font. Donc voilà, mais je m'accroche. Je vois que vous êtes très à l'écoute, évidemment. Est-ce qu'on peut citer peut-être une ou deux actualités relatives à Univers Sciences, puisque c'est quand même un peu le temple de la communication, en tout cas de la vulgarisation de la médiation scientifique à Paris? Alors, une ou deux, c'est difficile, mais comme je me préparais à la question, je l'ai préparée. Alors... On avait dit que c'était improvisé. Oui, c'est ça. C'est tellement improvisé que j'ai des notes improvisées. Alors... À la Cité des sciences et de l'industrie, on ouvre fin avril une exposition qui s'appelle « Bio-inspiré, une autre approche », qui est sur les enjeux contemporains et futurs du biomimétisme, notamment au titre de la durabilité. Donc je pense que c'est une belle exposition qui fera la part belle à la fois à la recherche et à l'industrie, parce qu'elle fait ce pont. Je pense à la start-up Bio-inspire, elle y sera peut-être? Il y a plein de partenaires. Il y a le Cebios notamment qui est partenaire de cette exposition. Et puis, comme je vais en oublier la moitié, je vais me faire engueuler. Donc, oubliez que vous avez oublié que j'ai dit le Cebios. Voilà. On va couper. Ah non, on peut pas. Ah non, on peut pas. J'ai noté une actu du palais qui est... Bon, je pense que tout le monde le sait dans la pièce. La fermeture du palais pour travaux de rénovation, pour un grand, grand projet de rénovation. Mais l'ouverture, du coup, à la fin de cette année, d'un palais de la découverte éphémère dans le 15e arrondissement. Donc, dès que je peux le placer, je le place. Hein, voilà. Et quand est-ce qu'il ouvre, vous m'avez dit exactement? Fin d'année. Fin 2020. Voilà. D'accord. La fermeture du palais de la découverte pour travaux, c'est le 30 août 2020. Avec d'accord. Une belle fête à laquelle tout le monde est invité. D'accord. Et puis, l'ouverture du palais éphémère, ce sera quelques semaines après, dans le 15e arrondissement. Eh ben, J'ai encore le temps pour une dernière. On va prendre 3 petites heures. Allez. Allez, on a... Non, lundi, soyons sérieux. Lundi, c'est la journée internationale du droit des femmes. On a une belle programmation à la Cité des sciences et de l'industrie, là, cette semaine, sur femmes et sciences. Je suis hyper heureux d'avoir une majorité de filles dans les concurrents aujourd'hui. Et je signale, ce soir, des conférences. Dimanche, une belle journée, un ingénieur, un projet à la Cité des sciences et de l'industrie avec des femmes ingénieurs. Voilà, j'arrête. Merci beaucoup pour ces éléments d'actualité. Effectivement, on a appris des choses. Je ne savais pas en particulier que vous alliez ouvrir ce palais de la découverte éphémère. Donc, affaire à suivre, sujet à suivre, en particulier sur les réseaux sociaux. J'imagine que le compte Twitter, notre particulier d'Univers Sciences, étant très actif, on pourra vous suivre sur ce support, notamment. Je me tourne vers Nelly Manoukian, qui connaît bien ma thèse en 180 secondes, et qui connaît aussi les docteurs de façon générale. Il y a une cérémonie qui s'organise d'ailleurs cette année, je crois, pour une cérémonie réservée aux docteurs. Comment elle est libellée exactement? Cérémonie des docteurs, tout la simplement. Cérémonie des docteurs, absolument. Ça sera la 3e édition à PSL, puisque ce sera le 15 mai à l'Université Paris-Dauphine, à PSL.
Et donc, ce sera la troisième année que les docteurs qui ont préparé leur thèse dans un établissement de PSL recevront un doctorat PSL. Et ça se passe comment ? Est-ce qu'il y a le jet de chapeau ? Il y a le jet de chapeau, il y a les toges, il y a les écharpes, il y a les discours, les grands témoins. Un par un, oui, de marraine, absolument. Les années passées, nous avons eu Claude Cohen-Tanoudji, prix Nobel de physique, comme premier parrain. La deuxième année, nous avons eu Françoise Combes, professeur au Collège de France et à l'Observatoire de Paris, comme marraine de promotion. Et c'est toujours un grand moment d'émotion pour tous les docteurs, leurs familles, les enseignants, les professeurs qui les ont accompagnés, tous les chefs d'établissement, toute la communauté. Donc vous fêterez général, les on est à peu près 400 dans le grand amphi de Dauphine. Oui. On diplôme 400 et quelques docteurs tous les ans. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 parmi les candidats qui seront sur scène le 15 mai. On se réjouit. Et ils ne sont pas tous présents parce qu'ils voyagent. Hein. Nos docteurs sont tous très internationaux et donc ils sont parfois par Mons et par Vaud. Mmh. Et donc on se réjouit de les accueillir cette année encore. Bah, c'est un bel événement. Donc je le rappelle, le 15 mai 2020, dans quelques semaines. Merci beaucoup Nelly Manoukian. Je voudrais donner la parole pour terminer ce tour de table des membres du jury de cette édition 2020 de ma thèse en 180 secondes université PSL à Alexandre Fossati. Bonjour Alexandre. Bonjour. Quoi de neuf depuis l'année dernière, depuis cette finale, dont vous gardez quel souvenir, finale à PSL ? Alors, un très bon souvenir. C'était au Collège de France. C'était au Collège de France, effectivement. Très bon souvenir, beaucoup d'entraide entre les candidats, une très bonne ambiance, et je peux voir que c'est aussi le cas cette année. Ouais. Et aussi une grande variété des sujets, tous tout aussi intéressants les uns que les autres, qu'on peut voir aussi aujourd'hui. Et effectivement, ayant été à leur place, c'est difficile de présenter son sujet en 180 secondes, mais c'est très difficile de départager plusieurs candidats qui ont tous des sujets extrêmement intéressants et qui le vulgarisent aussi tous très bien. Exactement. Ouais, comment ça s'est passé, les demi-finales ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu, puis déjà, oui, alors, quelques conseils peut-être, parce qu'il y en a quand même deux qui iront début avril en demi-finale. Alors, les demi-finales, donc on se retrouve en fait avec tous les sélectionnés des finales régionales de France, dans un endroit où en fait on reste 2-3 jours en compagnie de tous ces doctorants ou ces docteurs. Ça nous permet en fait de voir aussi encore plus de choses au niveau des sujets de thèse. Et aussi, il y a une formidable ambiance. On n'est pas du tout dans la compétition, on est même plus dans l'émulation en fait, à se donner des conseils, à essayer d'en savoir plus sur son sujet de thèse. Et on découvre aussi des très belles personnalités. On se fait des amis. Je suis resté en contact avec plusieurs personnes que j'ai rencontrées au demi-finale. Donc c'est vraiment une très belle expérience. Et même si on n'accède pas à la finale, on en garde vraiment un très bon souvenir. Merci beaucoup d'être membre de ce jury. On vous applaudit et on passe à la 8e jeune chercheuse qui vient présenter ses travaux de recherche en seulement 180 secondes. Elle vient de NSPSL, c'est sa 3e année de thèse qui s'intitule « Production de bactéries magnétiques et leurs utilisations en bio... » Pas du tout. Décidément. C'est Lauriane. Toutes mes excuses. Donc, Lauriane Brassard vient de MinParisTech PSL. Elle est en 2e année de thèse. Et je crois que j'ai voulu éviter la longueur du titre. Inconsciemment, il y a quelque chose comme ça. Mais je vais faire attention et, Lauriane, je te promets de lire ça très bien. Influence du traitement thermique sur l'adhérence et sur le comportement mécanique de dépôt d'acier austénitique inoxydable 316L sur 316L, obtenu par cold spray à une fin de réparation. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir très fort Lauriane Brassard, je l'ai dit, qui vient de MinParisTech et qui est en 2e année de thèse. Voici le micro. Comme pour les autres candidates et candidats, dès que tu es prête, dès que vous êtes prête, un signe ostensible en régie et on vous écoute. Hier soir, en sortant un plat du four, je me suis brûlée la main. J'ai alors eu le réflexe de la passer sous l'eau froide, puis j'ai appliqué une célèbre pommade. Heureusement, grâce à ça, aujourd'hui, ma main va beaucoup mieux, même si ça tire encore un petit peu. Imaginez alors que je ne me sois brûlée au 2e, voire 3e degré. Ça aurait été une toute autre histoire qui aurait pu me conduire à l'hôpital. Là-bas, l'urgence, la priorité, c'est d'apaiser la brûlure. Pour ça, on peut utiliser de la peau de poisson, plus particulièrement de poisson tilapia. Bon, très bien, c'est fonctionnel, mais on ne va pas repartir avec ça chez nous. En réalité, la deuxième étape est de réparer la zone abîmée.
Pour ça, on peut pratiquer une greffe de peau. Mais vous n'êtes pas sans savoir que dans ce genre d'opération, il y a toujours une possibilité de rejet de la greffe. C'est pourquoi on administre fréquemment des traitements anti-rejet. Vous êtes certainement en train de vous demander le rapport entre mes mésaventures d'apprenti Top Chef et ça. Eh bien, en réalité, je suis un peu la chirurgienne des métaux. Mes patients ne sont pas brûlés, mais ils sont rouillés. On appelle ça la corrosion. La corrosion, c'est ces petites taches rouges, un petit peu brunâtres, qu'on peut observer sur la coque des bateaux, par exemple. Eh bien, pour soigner ces grands rouillés, il faut, comme tout à l'heure, il faut enlever la partie abîmée. Il faut stopper le mécanisme. Ensuite, la deuxième étape est de réparer cette zone. Pour ça, certains d'entre vous pensent peut-être à la soudure. Mais si on y réfléchit, parfois jusqu'à 1500 degrés, pour obtenir des zones marquées à vie par ces fortes chaleurs. Cela fragilise même le matériau. Ce n'est donc pas envisageable. Une autre solution que je propose dans ma thèse, c'est un procédé à froid, un peu comme une chirurgie douce, et qui consiste à déposer du métal sain sur un métal abîmé. Mais vous serez quand même d'accord avec moi pour dire que poser un bout de jambon sur de la peau, ça ne fait pas une greffe. Souvenez-vous de la robe en viande de Lady Gaga au MTV Awards. En réalité, il y a tout un travail à faire pour que la greffe adhère au métal, mais aussi qu'elle y reste. Et justement, la plus grande partie de ma thèse consiste à trouver le bon traitement anti-rejet de mes réparations. Pour ça, j'ai mis au point un traitement thermique. Très léger, ce traitement consiste à chauffer la structure et vient effacer la frontière entre la greffe et le métal, comme un peu avec une gomme. Car au final, une réparation réussie, c'est un peu comme une opération sans cicatrice. Et au-delà de ça, ce traitement me permet de restaurer en souplesse. Car comme je vous le disais tout à l'heure, quand on se brûle la main, c'est plus dur de la fermer après, ça tire. Pour le métal, c'est pareil. Ma thèse consiste donc à réparer des métaux abîmés avec une seconde peau parfaitement ajustée qui leur va comme un gant. Lauriane Brassard. Lauriane, qu'est-ce que vous avez eu envie, pourquoi vous avez eu envie de participer à ma thèse en 180 secondes? Qu'est-ce qui, quand on sait l'emploi du temps très chargé des chercheuses, des chercheurs, qu'est-ce qui vous a donné envie de passer en plus du temps à participer à cet exercice particulier? Ben, en réalité, c'est un exercice auquel on n'est pas forcément formé de base et on n'a pas tous le même bagage non plus. Donc moi, c'est vrai que c'est quelque chose dont je n'étais pas du tout habituée. Et puis ça peut poser quelques petits soucis au quotidien. C'est vrai, en tout cas, c'est bien de savoir vulgariser. Ouais. Et c'est que des avantages. Et donc, c'est surtout la partie personnelle aussi, oui, d'enrichissement, de savoir comment faire, en fait. Et puis on disait, il y a une super ambiance. Oui. Vous vous connaissiez entre vous avant? Oui, enfin, juste une, mais sinon après... Ouais, donc, pas tellement, du coup. Et non. Sinon, bah, après, on fait connaissance lors des formations. On a l'impression qu'il y a un collectif qui se monte presque. Hein. Ouais, quelque chose ça de... se passe non, très je sais pas, bien. Je vous trouve très soudés. Après la thèse, est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous souhaiteriez faire ou c'est trop tôt? Je rappelle que vous êtes en deuxième année de thèse. Moi, j'ai réfléchi. Je voudrais être donc dans la recherche industrielle. D'accord. Plutôt dans quel type d'industrie? C'est vraiment, enfin moi, c'est la métallurgie qui me plaît. D'accord. Donc dans la métallurgie. Ça ouvre plein de pistes. Ça ouvre plein de pistes, mais c'est ça qui me plaît aussi. Quelle que soit la piste que vous choisirez, on vous souhaite une excellente continuation. Merci. Et bravo encore pour ce pitch parfaitement maîtrisé. C'était Lauriane Brassard qui vient de Mines Paritech PSL. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Et on donne la parole à un chercheur qui vient de NSPSL. Il est en deuxième année de thèse. Il fait une thèse qui s'intitule « Caractérisation et modélisation de l'évolution des interactions hôtes microbiotes ». Mesdames et messieurs, je vous prie, et chers membres du jury, d'applaudir et d'encourager Benoît Pérez-Lamarque. Mesdames et messieurs, il nous rejoint. Il est là. Voici le micro. Même règle que pour les autres, bien sûr. Dès que vous êtes prêt, un signe en régie et on vous écoute pour 180 secondes. Vous êtes vraiment tous des nids à microbes. En ce moment même, vous grouillez de bactéries, virus, champignons et autres microbes en tout genre. Vous avez même, chacun d'entre vous, jusqu'à 2 kilos de bactéries dans votre intestin. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas du coronavirus, enfin j'espère, mais au contraire, la plupart de ces microbes vous veulent du bien. C'est ce qu'on appelle le microbiote. Et loin d'être de simples locataires, la plupart de ces microbes vous accompagnent toute votre vie, pour le meilleur comme pour le pire, et ils participent activement à votre nutrition,
au développement de votre organisme, à votre santé et même à votre comportement. Mais attention, l'être humain n'est pas pour autant une exception. La plupart des autres animaux possèdent aussi un microbiote, tout comme les plantes, qui ont un microbiote dans leurs racines, composé de bactéries et surtout de champignons qui sont essentiels à leur survie. Mais aujourd'hui, nos microbiotes sont en grave danger. Par exemple, à chaque fois que vous allez prendre des antibiotiques, c'est une véritable hécatombe qui va se dérouler dans votre intestin et qui va décimer la plupart des bactéries présentes, gentilles comme méchantes, et entraîner des perturbations qui peuvent durer des années. Mais avant de s'intéresser aux risques associés à la perte de notre microbiote, il faut tout d'abord s'intéresser à son origine. D'où viennent nos bactéries intestinales? Est-ce qu'elles proviennent d'une transmission de génération en génération, de parents à enfants, ou bien est-ce qu'elles sont simplement acquises depuis notre environnement, par exemple lorsque lundi dernier vous avez mangé un yaourt? Pour répondre à cette question, ma thèse s'intéresse à l'évolution des microbiotes. Je cherche à comprendre comment est-ce que les microbes associés aux animaux et aux végétaux ont évolué au cours des derniers millions d'années pour donner ce que l'on observe aujourd'hui dans la nature. Pour faire ça, malheureusement, Jurassic microbe n'existe pas. Nous n'avons pas ou peu de fossiles de microbiote à disposition. La seule façon d'étudier le passé de ces microbes, c'est de les étudier au présent. Et pour avoir un maximum d'informations sur le présent de ces microbes, il suffit de séquencer leur ADN, de lire leur information génétique. Et à partir de toutes ces informations-là, j'utilise des modèles mathématiques qui me permettent de reconstruire le passé. Ou plus précisément, ces modèles mathématiques me permettent de déterminer quels sont les scénarios d'évolution les plus probables. Par exemple, si on s'intéresse à l'évolution du microbiote des espèces de grands singes, dont l'être humain, ces modèles mathématiques nous permettent de déterminer si les différences que l'on observe lorsque l'on compare les microbiotes d'espèces de grands singes, si ces différences-là proviennent de l'histoire évolutive des grands singes. Ainsi, cela nous a permis de démontrer que si la majorité de nos bactéries intestinales étaient acquises simplement depuis notre environnement, une partie non négligeable d'entre elles était transmise de génération en génération, et ce, depuis des millions d'années, faisant d'eux de véritables partenaires fidèles pour nous. Ainsi, votre microbiote représente donc pour vous de véritables cartes d'identité qui vont indiquer qui vous êtes et d'où vous venez. Voilà, c'était Benoît Pérez-Lamarque. Bravo. De NSPSL, je l'ai dit, c'est la deuxième année. C'est ça, oui. Est-ce que déjà on réfléchit à la PPL ou est-ce qu'on se dit non, un peu, on va voir comment ça se passe déjà on commence, la troisième. On commence, 3 ans ça passe vite, donc c'est vrai qu'il faut rapidement réfléchir. Et là, je partirai plutôt sur un post-doc, donc continuer dans la recherche. Qu'est-ce qui vous... Donc la recherche fondamentale. Voilà. D'accord. Mais... Qu'est-ce qui vous donne, qu'est-ce que vous allez retirer finalement de cette expérience de ma thèse en 180 secondes, indépendamment du fait que vous remporterez ou pas, on voilà, ne sait pas. J'ai fait ça vraiment pour la formation, la vulgarisation, parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à remercier Alexandra pour la formation et PSL pour cette opportunité. C'était vraiment... On peut l'applaudir, c'est la coach. Elle est discrète, mais elle est là. Vraiment une super formation, alors, on a appris énormément de choses. Comment, c'est quoi c'est comment vraiment... elle vous met à l'aise? Comment elle arrive comme ça à vous rendre finalement On fait tellement de choses en si peu de temps. Ouais. Enfin, la formation dure quand même, s'étale sur presque un mois, même plus d'un mois. Et vraiment, c'est vraiment extrêmement enrichissant. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a beaucoup d'entraide entre les candidats. C'est vraiment un esprit soudé qui se forme comme ça dans la formation. Donc c'est vraiment une superbe expérience. Et la vulgarisation scientifique, vraiment, on s'aperçoit que dès qu'on commence à faire notre thèse, on commence à spécialiser énormément dans notre discipline. On s'aperçoit en fait que, avec tout ce qui passe dans les réseaux sociaux, etc., on s'aperçoit qu'il y a vraiment un pont qui est nécessaire entre ce qui est fait par les chercheurs, avec l'argent des impôts, et ce qui est fait derrière, et ce qui est dit après à côté derrière. Et si nous, on n'est pas formés pour expliquer ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent, ça passe pas, c'est normal. C'était Benoît Pérez-Lamarque, mesdames et messieurs, qu'on applaudit, qui était là pour cette finale. Vous pouvez reposer le micro. Bravo, merci d'avoir été des nôtres pour cette finale. Je vous propose de continuer avec une jeune chercheuse qui est en troisième année de thèse à ENS-PSL. Le titre de sa thèse, c'est donc « Production de bactéries magnétiques et leurs utilisations en biotechnologie ». Elle s'appelle Marie Aubry et on l'applaudit, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, très fort. Marie, voici votre micro. Quand vous êtes prête, et vraiment seulement quand vous êtes prête, vous lancez le timer. Des super-héros magnétiques et microscopiques, c'est le rêve un peu fou de mon directeur de thèse.
Imaginez, vous avez à disposition des bactéries avec un super pouvoir, comme par exemple celui d'aller attraper ou détecter des micropathogènes qui pourraient vous empoisonner. Bon, imaginez maintenant que vous pouvez guider dans l'espace ces bactéries grâce à un champ magnétique pour qu'elles aillent au bon endroit de la mission et être récupérées à la fin. Plutôt pas mal, non ? Et pour réaliser ce rêve, il y a eu ma thèse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décomposé le problème. D'abord, j'ai essayé de rendre des bactéries magnétiques et ensuite, je suis allée les envoyer pour aller attraper des micropathogènes, les méchants. Pour cela, je me suis tournée vers le fidèle acolyte du microbiologiste, la bactérie E. coli, qui est robuste, très bien connue et inoffensive. Je l'ai équipée. Je l'ai rendue capable de produire une protéine qui lui permet de stocker du fer sous la forme d'oxyde magnétique. Grâce à cette protéine, ma bactérie peut digérer le fer sous la forme de petits aimants dans son corps. Bon, alors après, il a fallu ajuster les paramètres, parce que trop peu de fer ou du fer pas assez appétissant, et mes bactéries ne mangeaient rien et n'étaient pas attirées par un aimant. Trop de fer, au contraire, et mes E. coli voraces finissaient plus que repus. Or, le fer étant toxique à haute dose pour les cellules, elles finissaient empoisonnées. Donc une fois que le seuil a été trouvé entre anorexie et crise de foi fatale, je me suis retournée vers la suite du rêve initial. Vous vous rappelez, celui d'aller les envoyer attraper les méchants microbes pathogènes. Le problème, c'est que j'avais plutôt besoin de super-héros type Batman. Et moi, à disposition, j'avais des Robins. Donc pas moyen de les envoyer maintenant sur le terrain, elles n'étaient pas prêtes. Donc j'ai fait ce qu'on appelle des preuves de concept. Des expériences en laboratoire, in vitro, pour montrer que mes bactéries, avec de l'entraînement, elles avaient tout le potentiel pour devenir de vraies super-héroïnes. J'ai joué. Par exemple, j'ai joué aux gendarmes et aux voleurs. J'ai pris une seconde population de E. coli et je leur ai fait endosser le rôle de méchants. Je leur ai donné leur costume, des protéines de surface qu'on appelle antigènes. Et puis j'ai pris mes bactéries magnétiques et je leur ai donné le pouvoir associé, des anticorps qui sont capables de reconnaître spécifiquement les antigènes des méchants. Grâce à ces anticorps, mes bactéries, c'est comme si elles avaient des menottes magiques qui leur permettaient d'arrêter les méchants et uniquement eux. Et puis après, je les ai mis ensemble et je les ai observés au microscope. Et là, j'ai vu mes bactéries magnétiques attraper mes méchants. Et lorsque j'ai approché un aimant, l'ensemble était attiré direction le commissariat. Alors bien sûr, ce n'est que le début de leurs aventures contre les microbes criminels et il leur faudra du temps pour défendre notre santé. Et si vous voulez savoir la suite, Je vous joins à regarder les épisodes suivants. Merci beaucoup. Voilà, c'était Marie Aubry, mesdames et messieurs, chers membres du jury. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on prépare ma thèse en 180 secondes ? Est-ce que c'est plutôt la gestion de l'espace scénique, savoir quoi faire de ses mains ? Ou est-ce que c'est le fond, apprêter, trouver le bon mot, trouver le bon ressort, le bon fil rouge ? Qu'est-ce qui vous a demandé le plus de travail ? Pour moi, je pense que c'est plutôt la forme, maîtriser son stress aussi, arriver à parler en public, parce qu'après, mes bactéries, je commence à bien les connaître ça va. Force de les fréquenter. ça allait. Après la thèse, vous avez déjà envie d'imaginer ce que vous pourriez faire ? Oui, je réfléchis et je pense que je vais continuer dans la recherche. J'ai découvert la biotechnologie en thèse et la biologie synthétique spécialement et ça me plaît beaucoup. Du coup, j'aimerais continuer là-dedans. Après, je ne sais pas encore si ce serait en industrie ou dans le public ou même dans une start-up. L'éventail est assez large. Oui, mais en tout cas, je vais continuer à faire des expériences et à faire des trucs. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire de la recherche ? Est-ce que c'est parce qu'au cours de votre parcours, vous avez eu des rencontres spéciales ou c'est parce que très tôt, vous aviez envie de faire ça ? En fait, c'était une idée qui m'a trotté depuis longtemps. J'ai trouvé que mes profs de chimie, ça peut paraître peut-être un peu enfantin, mais mes profs de chimie au collège, je les ai trouvés très très cool et elles m'ont donné un peu l'envie de faire ça. Donc c'est un peu grâce à eux que vous êtes là aussi. Ouais. Et ben on les salue et on les félicite aussi. Merci beaucoup Marie Aubry d'avoir été avec nous. Et oui, ça a l'air de rien, mais tous ces enseignantes qu'on rencontre au gré de notre parcours, il y en a parmi eux qui sont absolument fantastiques et qui, sans le savoir, créent des vocations. Et je profite de cette finale de ma thèse en 180 secondes pour leur tirer un petit coup de chapeau. Je vous propose de continuer avec une jeune chercheuse qui nous vient de MinParisTech PSL. Mesdames et messieurs, elle est en deuxième année de thèse. Chers membres du jury, je vais essayer de présenter, de lire le titre de sa thèse sans faire d'erreur. Ça devrait le faire. Sinon, vous me rattraperez, Modélisation des états de surface des pénétrations de fond de cuve des réacteurs à eau sous pression.
pour une meilleure prévision de leur sensibilité à la corrosion sous contrainte. Elle s'appelle Colette Pérez. Mesdames et messieurs, elle nous rejoint sur scène. Bonjour Colette, voici un micro, bienvenue. Prenez votre temps pour lancer ce fameux timer de 180 secondes. Est-ce que vous serez en bonne santé dans 10 ans? Si je vous pose la question, c'est parce que 10 ans, dans le cadre des centrales nucléaires, c'est ce qui sépare le check-up des 58 pénétrations de fond de cuve des réacteurs. Bon. C'est un nombre un peu barbare, je vous l'accorde, mais globalement, ce sont des tubes qui sont implantés sous la cuve, là où se déroule la réaction nucléaire. Et ils permettent de savoir que tout se passe bien. Ils vivent un quotidien plutôt extrême. Essayez de vous rendre compte. De l'eau à 300 degrés et 150 bars. Ça fait plutôt chaud pour un bain. Alors autant vous dire que pour eux, les savoirs en bonne santé, c'est plutôt primordial. François Mitterrand avait déjà mis des mots sur ce problème, puisqu'il disait « la vieillesse, c'est une question de santé ». Et vous n'êtes pas sans savoir que les centrales nucléaires prendront leur retraite un jour, après leur âge pivot. Mais entre leur naissance et leur dernier congé, il faut que chacun de leurs organes assure en toute sécurité la mission qui leur a été confiée. Bien vieillir, ça ne s'improvise pas. Je tiens quand même à vous rassurer. EDF ne s'est pas intéressé au vieillissement à partir de ma thèse. Moi, j'essaye de réaliser des modèles mathématiques afin de comprendre comment chaque spécificité va impacter le vieillissement des tubes. La maladie que rencontrent ces tubes, ça s'appelle la corrosion sous contrainte. C'est une synergie entre mon matériau, ma centrale et la mécanique. Et ça peut générer l'apparition de fissures. Alors généralement, ces tubes sont plutôt résistants, donc ils sont tranquilles jusqu'à leur vieux jour. Mais dans une population de tubes, certains vieillissent moins bien. C'est le cas, par exemple, des tubes qui présentent des inclusions métallurgiques. Ce sont des petits défauts en leur surface. Et moi, j'essaye d'adapter mon modèle afin de comprendre comment ces spécificités vont entraîner un vieillissement prématuré. En fait, mon modèle fonctionne un peu à la manière d'un album photo. Je m'explique. Ce Noël, j'ai vu une vieille photo de ma mère, et je lui ressemble. Alors, honnêtement, je pense que je suis plutôt bien partie si je vieillis comme elle. Mais est-ce que ce sera votre cas? Au risque de vous décevoir, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Par contre, je peux vous donner un conseil. Replongez-vous dans vos vieux albums souvenirs, votre modèle de vieillissement. Pour les tubes, chaque stade de leur vie correspond à une équation. Alors, à la manière d'une photographe, je remplis l'album photo de ces tubes. J'ai à ma disposition des composants sains et d'autres que j'ai volontairement fragilisés, parce que vous ne le savez pas, mais je suis une horrible personne. Je les immerge ensuite dans de l'eau à 300 degrés, 150 bars pendant plusieurs mois. Et je regarde s'ils présentent de la corrosion sous contrainte. Et si c'est le cas, si ça colle avec mon modèle, eh bien je suis capable de dire ce qui va se passer dans 10 ans. Alors peut-être que certains d'entre vous penseront à moi lors de leur prochaine réunion de famille. Gardez ceci en tête. Un modèle sert à comprendre comment chaque spécificité va impacter un vieillissement prématuré. Et dans le cadre de mes tubes, pour les centrales nucléaires, anticiper est un gage de sûreté. Voilà, c'était Colette Pérez. Ça va, Colette? Ça va. C'est dur d'attendre. Bon, ça va. Antépénultième candidate. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on a envie que ce soit son tour. Bravo déjà d'avoir su patienter et d'être là avec un pitch parfait. Qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on est comme ça en deuxième année de thèse? Est-ce qu'on réfléchit déjà à l'après-thèse? Sachant que c'est une thèse chiffre que vous menez, oui. Que peut-être ça permet d'envisager différemment la poursuite de carrière. Oui, alors les thèses chiffres ont l'avantage de faire en sorte qu'on soit déjà dans l'entreprise et qui normalement facilitent ou peuvent faciliter l'embauche dans l'entreprise. Donc moi je suis en thèse à EDF, c'est pas pour autant que je vais forcément y rester parce que ça dépend de plusieurs paramètres, ça dépend déjà de l'entreprise et ça dépend de moi également. Mais c'est vrai que moi la recherche industrielle c'est quelque chose qui m'attire. Pourquoi ? Alors voilà, justement c'est des problématiques qui pour moi sont concrètes dans le sens où je visualise tous les jours l'impact qu'elles peuvent avoir dans la société. Typiquement, les centrales nucléaires, moi j'habite à côté de Fessenheim. Depuis que je suis petite, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé de savoir un peu comment on gérait la sécurité et la sûreté des centrales nucléaires. Et de travailler dans le nucléaire, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de choses qui étaient mises en place, qu'on n'a pas forcément conscience en tant que personne extérieure. Et du coup, je trouve ça d'autant plus intéressant parce qu'on travaille sur des problématiques qui sont intéressantes scientifiquement et aussi d'un point de vue sociétal. Avec un hobby qui n'a rien à voir. Exactement, la peinture. Peinture acrylique, je précise. Voilà. Voilà. Et du coup, vous dessinez des centrales sur vos tableaux. Ah non, quand je suis chez moi, oh, la blague. Oh non.
Coupé. Non, je dessine beaucoup d'animaux et notamment des lions. Alors, me demandez pas pourquoi. Mais pourquoi? Eh bien, ne me demandez pas pourquoi. Non, parce que je trouve que c'est des animaux paisibles et donc les peindre, ça m'apporte. Paisible, mais de loin. Oui, voilà, c'est ça. Un peu comme les centrales nucléaires, finalement. Voilà. Merci beaucoup, Colette Pérez, d'avoir été avec nous pour cette édition 2020 de Ma thèse en 180 secondes. Je vous laisse tranquillement reprendre votre place. On s'approche maintenant de la fin de cet événement. Il y a encore deux super candidats à entendre. Le prochain, qui nous rejoint dans quelques secondes, traite d'une thèse dont l'intitulé est le suivant : l'hétérogénéité de l'information et des croyances parmi les opérateurs sur les marchés de matières premières. C'est une thèse qui est soutenue à Dauphine PSL. Le jeune chercheur qui va présenter ses travaux de recherche, cher membre du jury, est docteur. Il n'est plus doctorant. Il a soutenu sa thèse en novembre. Merci de l'accueillir. Il s'appelle Étienne Borocco. Mesdames et messieurs, il est là, le voici. Dernier candidat de cette édition 2020, voici le micro. Avant-dernier candidat. J'ai dit avant. Quand vous êtes prêt. Je voudrais vous présenter Léa. Léa est agricultrice. Elle cultive du blé. Comme tout le monde, elle veut vivre de son métier. Alors, que doit-elle faire ? Planter, cultiver, récolter, vendre. Mais sauf qu'entre-temps, le prix du blé peut s'effondrer sur le marché. Et là, Léa, elle se retrouve sur la paille. Et si la paille, c'est pas le blé ? Alors, quelle est la solution ? Peut-être les marchés à terme. Le principe est simple. On y achète et on y vend des futures récoltes à un prix fixé à l'avance le jour du contrat. Ainsi, si le prix baisse le jour de la récolte, Léa y gagne, car elle aura vendu plus cher. A l'inverse, si le prix du blé monte, c'est l'acquéreur qui y gagne, car il aura acheté moins cher. Mais au moins, Léa, elle a limité la casse. Autre avantage, Léa connaît l'argent qu'elle va toucher le jour de la récolte. Et ça, pour elle, c'est super important. Cela va lui permettre de pouvoir mener des investissements qui vont pérenniser son exploitation. Les marchés à terme sont une solution simple et flexible. Hop, 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 une minute. Parier sur les prix futurs. C'est pas de la spéculation, ça. La spéculation, on connaît. C'est la crise de 2008, avec l'explosion des prix agricoles et les émeutes de la faim. C'est pas super propre. Même sur ce graphique tout bariolé, les prix font du yo-yo. Nuance. Calmons-nous. Il y a spéculation et spéculation. Oui, il y a des types de spéculation qui vont déstabiliser les marchés. Acheter quand ça monte, vendre quand ça baisse. Là, ça augmente la variabilité des prix. Mais à l'inverse, il y a des stratégies de spéculation qui, elles, vont stabiliser les cours. Aller dans le sens contraire du marché. Acheter quand ça baisse, vendre quand ça monte. Là, les prix vont converger. Et c'est justement tout l'objet de ma thèse qui est crucial. Il faut identifier ces différents types de spéculation pour savoir quelles réponses on veut apporter. Si on veut réguler au mieux les marchés, il faut comprendre comment ça marche. Et ma thèse, elle ne parle pas que de Léa. Elle parle de toutes les matières premières que vous utilisez au quotidien. Merci d'avoir écouté. Ouais, Étienne Borocco. Ouais. Avant-dernier candidat. Avant-dernier candidat de cette édition 2020 de Ma thèse en 180 secondes. C'était un super pitch. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il va réussir à tenir les 180 ? Oui, parfait. À la fin, c'était parfait. Docteur, je l'ai dit tout à l'heure, depuis novembre 2019. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Alors maintenant, je suis analyste enquêteur à la Commission de régulation de l'énergie. Donc, mon métier consiste à enquêter sur des soupçons d'infraction commis par des traders sur les marchés du gaz et de l'électricité.
Donc, il s'agit de soupçons de violation à la réglementation des marchés. Et ensuite, à la fin de l'enquête, c'est à moi de décider si oui ou non, je décide en fait de saisir le mini-tribunal de la CRE, qui s'appelle le CORDIS, le comité de règlement des différends des sanctions. Et si j'estime qu'il y a manquement, c'est moi qui demande des poursuites devant ce comité, sinon je peux décider de classer l'affaire sans suite. La prêtesse, ça s'est fait avec une transition ou alors, les choses se sont faites rapidement? En fait, j'ai même commencé avant ma soutenance. D'accord. Donc la, un peu... la poursuite de carrière parfaite, en fait. Zéro. Ouais. Zéro. J'aurais bien aimé un peu de vacances, mais ils voulaient m'embaucher au plus tôt. Donc, C'est plutôt sympa de se sentir comme ça, désiré d'une certaine manière et d'avoir... Oui, non, mais ça, c'était... ça, non, c'était super. D'ailleurs, je pense qu'ils me regardent en direct, tous mes collègues. Applaudissez-le derrière vos smartphones. Non, je veux dire qu'au contraire, je les apprécie beaucoup et que c'est vraiment un bonheur de travailler avec eux. Oui, puis c'est des gens super, des gens extraordinaires. Pourquoi, du coup, avoir fait ma thèse en 180 secondes alors que finalement le doctorat était derrière vous? Alors, on le sait, le concours est ouvert un an après la soutenance de thèse, mais c'est vrai que quand on est pris dans une nouvelle activité professionnelle et qu'on... Par définition, on doit faire ses preuves et qu'on manque parfois de temps. Bah, qu'est-ce qui vous a donné envie quand même de passer du temps à faire ce pitch? Alors déjà, une chose, c'est que chaque année, ma mère me demandait si j'allais faire ma thèse en 180 secondes. La mère d'Étienne Foucault est-elle derrière cet ordinateur? Oui, là, normalement, je l'ai dit, je l'ai envoyé le lien à YouTube. Donc... On vous salue, madame. C'est mon petit côté Jacques Martin. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai fini ma thèse, j'ai le temps, donc je peux y aller. Et puis en plus... Je me suis aperçu que les marchés financiers, surtout ce qui touche aux matières premières, c'est à la fois extrêmement concret, parce que c'est le prix de cette électricité qui nous éclaire à l'instant. On va peut-être couper, du coup. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment important de sensibiliser les gens à comment la finance, en fait, vraiment façonne leur quotidien. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir été avec nous pour ce pitch. Et très, très belle continuation dans ce métier. À bientôt. C'était notre avant-dernier candidat. Je voudrais qu'on applaudisse, mais alors vraiment qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements avec tous les gens qui sont dans cette salle, en particulier pour remercier Nesrine Barna, qui nous rejoint maintenant, d'avoir attendu pendant mon speech. Elle est chercheuse depuis... Enfin, elle a soutenu sa thèse fin novembre. C'est une docteure. Elle vient de l'ESPCI-PSL et le titre de sa thèse est le suivant. Conception et validation d'une méthode non-invasive de traitement des varices par ultrasons focalisés de haute intensité. Merci de l'encourager, merci de l'applaudir très fort. C'est notre dernière candidate. Voici le micro. Quand vous êtes prête, prenez votre temps. C'est votre moment. Le remède est pire que le mal. Voilà ce qu'aurait affirmé le général et tyran romain Caius Marius à son chirurgien, après s'être fait extirper les varices d'une de ses deux jambes et avant de refuser de lui présenter la seconde. On comprend facilement Caius Marius quand on apprend qu'il s'est fait retirer ses varices, ses veines anormalement dilatées et sinueuses, à coups de crochet. Mais pourquoi s'être fait retirer les varices? Par souci esthétique? À ce point, Caius Marius était gêné par l'aspect de ses jambes? Nous sommes bien d'accord, avoir des varices aux jambes n'est pas très gracieux. Seulement, en dehors de leur aspect inesthétique, certaines varices, si elles ne sont pas traitées, peuvent s'accompagner de complications plus graves, comme la formation d'un ulcère, pour n'en citer qu'un. Dans ce cas, il faut absolument traiter les varices, c'est-à-dire les retirer du réseau veineux. Pour ça, les méthodes existantes consistent soit à les retirer chirurgicalement, ou alors à les boucher par effet thermique ou chimique. L'ennui avec ces techniques, c'est qu'il faut traverser la peau et d'autres tissus pour atteindre physiquement la veine pathologique. Le geste n'est pas sans risque et des suites post-opératoires peuvent être douloureuses. Une solution pour s'affranchir de tout bistouri serait d'utiliser les ultrasons focalisés de haute intensité, connus encore sous leur nom IFU. Tout comme on sait brûler du papier, par exemple, avec une loupe et une source de lumière, on peut, en focalisant des ondes ultrasonores de haute intensité en direction d'une cible tissulaire, élever, en un point précis du tissu, la température à plus de 60 degrés. Les IFU peuvent donc traverser la peau et atteindre les tissus sans nécessité d'incision. Intéressant, n'est-ce pas? Justement, l'objectif de ma thèse était d'utiliser les IFU
pour développer une méthode de traitement des varices et offrir ainsi aux patients une alternative non-invasive au traitement actuel. Pour définir la bonne méthode de traitement, j'ai d'abord réalisé plusieurs simulations numériques avant de passer sur l'animal. J'ai ensuite conduit une étude de faisabilité sur des veines de brebis et j'ai réussi à montrer qu'en chauffant les veines par ultrasons focalisés de haute intensité, on pouvait entraîner de façon sûre et efficace leur occlusion. Suite à ces résultats précliniques très positifs, des essais cliniques ont été lancés et les résultats des essais cliniques ont eux aussi été probants. Et aujourd'hui, avec le dispositif médical derrière moi, on peut se faire traiter les varices de façon extracorporelle. Pas de veine donc pour Caius, il aurait certainement pris ses jambes à son cou pour se faire traiter par IFU. Je vous remercie de votre attention. C'était Nesrine Barna. Merci beaucoup pour ce pitch. Merci d'avoir eu la patience d'attendre aussi ce tirage au sort. C'est comme ça. Je le disais, vous êtes docteur depuis quelques... Novembre. Voilà, ça vient de se faire. Exactement. Et déjà en poste. Alors, j'ai effectué une thèse CIFRE, moi aussi. Et donc, du coup, après la thèse, directement, j'ai repris, j'ai continué en fait. Il y a eu un chaînage direct. Ouais. Ouais. C'est quoi le nom de cette société ? C'est TerraClion. C'est une start-up donc, qui développe et commercialise un dispositif médical pour traiter par ultrasons focalisés de haute intensité, donc par IFU. Basé à Paris ? Malakoff. Vous êtes combien à peu près, vous savez ? On est une trentaine. Ouais, donc on est une trentaine. C'est un cadre de travail qui change par rapport, j'imagine, évidemment, à ce qu'on connaît à l'université, ce qu'on connaît dans le centre de recherche, etc. Ou est-ce qu'il y a des points communs ? Alors, pour les points communs, c'est vraiment l'entraide. Finalement, on n'est pas une si grosse entreprise. Et donc, c'est comme un labo. On s'aide vraiment tous les uns les autres. Et c'est une très, très bonne ambiance. C'est une famille aussi à TerraClion. Même question que je posais tout à l'heure à Étienne. Pourquoi avoir accepté de passer du temps pour faire ma thèse en 180 secondes alors, vous étiez docteur. Alors, je trouvais que l'exercice était intéressant. Et j'ai le souvenir donc, du premier jour passé à Dauphine où l'exercice de ma thèse en 180 secondes a été présenté. D'accord. Et je trouvais l'exercice très intéressant. Donc, la vulgarisation scientifique, mais aussi de façon personnelle, pour améliorer son aisance à l'oral, la gestion de son stress, finalement. Et donc c'est une des raisons. Et puis, je pense que l'exercice me sera utile, même pour la société. Les pitchs, vulgarisés, sont intéressants, même pour... Dans le cadre professionnel. Oui, dans le cadre professionnel, exactement. Merci beaucoup, Nesrine Barna, d'avoir été présente et d'avoir participé à ce concours de communication, de vulgarisation scientifique organisé par le Centre national de la recherche et la conférence des présidents... scientifiques, CNRS et CPU. Je vous propose maintenant, mesdames et messieurs, de laisser tout simplement délibérer les membres de ce jury. Ils ont fort à faire. On se retrouve, si vous êtes derrière vos ordinateurs, d'ici une grosse vingtaine de minutes. On va leur laisser le temps qu'il faut, hein, bien sûr, Madame la Présidente. On vous laisse le temps qu'il faut pour délibérer et choisir quels seront les deux lauréats de cette édition qui représenteront donc PSL lors des demi-finales qui se tiendront début avril à Paris. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi ce live et on se retrouve donc pour les résultats dans quelques minutes, dans une vingtaine de minutes. À tout de suite. Et bravo à vous. Il fait 2000 degrés. Corona... Pardon.
Nous voici de retour à cette finale Université PSL de ma thèse en 180 secondes. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, cette finale au cours de laquelle 12 jeunes chercheuses et jeunes chercheurs se sont présentés face à un jury de 5 membres pour parler de leur thèse en seulement 180 secondes. Et il est temps maintenant d'avoir justement le verdict final. Qui des 12 jeunes chercheuses et jeunes chercheurs qui se sont présentés tout à l'heure représentera PSL début avril? On va le savoir dans quelques instants. Et pour ça, je vais appeler les deux. D'ailleurs, un petit commentaire d'abord de Valentine Zuber, qui était présidente du jury. Comment s'est passée la délibération, en quelques mots? Écoutez, la délibération n'a pas été trop longue, même si nous avons tous argué de la difficulté de choisir, puisque presque tous les candidats avaient entre 7 et 9. Et donc, voilà, on ah oui, a d'accord. vraiment eu donc une liste de notes extrêmement serrées. Et donc, voilà, nous avons fait plusieurs tours de table et deux noms se sont imposés. Eh bien, je vous propose de commencer tout de suite par annoncer ce qui est le deuxième prix du jury. Pour ça, je vais demander à Anne de Vulder, vice-présidente vie étudiante, responsabilité sociale et environnementale de Paris Sciences et Lettres, à me rejoindre. Madame, si vous le voulez bien, sous les applaudissements des candidates et candidats. Voilà, n'hésitez pas à bien vous mettre dans la lumière bleue. C'est joli aussi. Alors, tout d'abord, je voudrais aussi redire que je sais que c'est un exercice extrêmement difficile. Alors, déjà, une soutenance de thèse, la présentation, c'est normalement 45 minutes. Et c'est déjà très difficile de mettre 3 ans en 45 minutes. Oui, parlez bien au micro, pardon. Et là, en 180 secondes, c'est vraiment extrêmement difficile. Donc, je voudrais saluer toutes les candidates et tous les candidats pour la maîtrise de leur sujet et la prestation qu'ils ont fait aujourd'hui, parce que vous avez vraiment été tous très bons. Donc ça a été très difficile de vous départager. Et il le faut pourtant. Mais il le faut pourtant. Donc j'ai le plaisir de convier, je l'invite ici. Vous pouvez donner son nom. Oui. À Marie Aubry, pour le deuxième prix. Marie Aubry, qui vient de NSPSL, qui est en troisième année de thèse et qui est donc le deuxième prix de ce jury. Voilà, quelques mots peut-être. Marie, avancez-vous peut-être, parce que là, vous avez... Okay. Avancez-vous encore. Non, je ne m'y attendais pas du tout, parce que... Oui, vous avez été surprise. Parce que toutes les présentations étaient super, super. Donc, merci beaucoup. Donc, un prix de 300 euros. Je suis très contente. Et une demi-finale qui s'annonce début avril. Ça va être très, très chouette. Cool. Bravo, merci. Félicitations. Voilà. On peut vous applaudir. Reprenez un micro, sinon on ne va pas vous entendre. Je vais juste souligner également que Marie a insisté sur le fait que faire une thèse, c'est aussi rêver. Et oui, je suis assez d'accord, faire une thèse, c'est rêver à plein de choses. C'est avoir de l'ambition et puis je vous souhaite une belle perspective devant vous. En tout cas. Voilà. Merci beaucoup d'avoir remis ce deuxième prix. Valentine, Anne de Vulder. Pour remettre, on fera bien sûr une photo finish à la fin avec tous les candidats et bien sûr ces deux prix. Pour remettre le premier prix du jury de cette édition 2020, je vais demander à la présidente du jury, tout naturellement, Madame Zuber, Eh bien, écoutez, encore une fois, ça a été difficile de vous départager, mais la personne qui est revenue plusieurs fois dans nos commentaires était Quentin Nauzet. Quentin Nauzet. Alors, on a été très sensibles à la manière souriante et déterminée avec laquelle vous avez présenté à la fois un parcours de recherche et un parcours personnel. Et nous avons beaucoup apprécié votre prestation et nous vous félicitons. Voilà, un jeune chercheur qui vient de SPCI-PSL. Bravo, Quentin. Avancez un petit peu, Quentin, pour quelques mots. J'ai peur que... Sinon, mettez-vous là, regardez. Hop, après tout, on va faire comme... Voilà. Bien, merci. Je ne sais pas quoi dire. En fait, je suis assez... je voudrais remercier les personnes, toutes les 12... D'où on était 12, c'est ça? Je perds les... Ouais, on était 12, c'est ça. Les 12 candidats. Alors, il y en a 6 que j'ai plus suivi que d'autres, puisqu'on a fait la formation à 6 au début. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est en fait la façon dont, au fur et à mesure de la formation, de voir les idées qui émergeaient du sujet, des différents sujets,
que ce soit le mien, que ce soit les autres, et notamment la facilité que à la fin ça donnait dans les présentations, parce que je me rappelle que le premier jour, quand certains expliquaient leur sujet, c'était un peu le « oh là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et finalement, ça, tout passe hyper bien et ça rendait hyper bien. Et je crois que c'était très plaisant. J'espère que ça l'était pour tout le monde. Voilà. Je crois. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir été des nôtres. Et félicitations pour ce premier prix du jury largement mérité. Un petit mot de conclusion, peut-être, Madame la Présidente, avant de... D'abord, un grand merci à tous les participants qui peut-être seront... dont la majorité est un peu déçue, mais en même temps, c'était visiblement un bel exercice aussi pour vous d'un point de vue humain, puisque vous avez préparé ça tous ensemble. Et je pense que tout ce qui peut aider à développer des relations entre chercheurs et développer le goût de la recherche par la diffusion du savoir, c'est quelque chose que vous garderez de toute façon en vous et qui est très important à notre époque. Je passe sur les fake news et les vérités alternatives et la lutte contre... Enfin, la science a besoin de s'exprimer et de s'exprimer aisément. Voilà. Et sinon, tous mes vœux, évidemment, pour les deux premiers prix, afin qu'ils aillent porter les couleurs de PSL pour les prochaines étapes de la manière la plus efficace et brillante possible. Et la prochaine étape, Madame la Présidente, c'est début avril, du 2 au 4 avril. On retrouvera donc Marie Aubry et Quentin Nozet pour ces demi-finales. Et je demande bien sûr à Marie Aubry de bien vouloir me rejoindre sur scène à nouveau pour quand même... qu'on vous ait tous les deux en photo finish et qu'on fasse plein de photos pour ensuite abonder sur les réseaux sociaux de PSL. Mettez-vous bien dans la lumière, voilà. Et puis que faire à part vous souhaiter le meilleur pour la suite et vous applaudir chaleureusement en vous félicitant à nouveau. Bravo. Bravo, j'invite tous les doctorantes et les doctorants de cette édition à me rejoindre parce que j'ai envie qu'on montre cette photo de famille. Pardon, je suis très photo, hein, mais je pense que c'est important d'avoir à l'image, à un moment donné, toutes celles et ceux qui ont relevé ce défi un peu compliqué, on va le dire comme ça, alors même que, vous le savez, la vie de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs est très dense, très riche, il faut faire beaucoup de choses. Venez, rejoignez-moi, je vous en prie, allez-y, venez. On va terminer avec, à l'image, tous ces beaux visages de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs qui passent du temps, dans le cadre de ce concours, à présenter leur thèse en 3 minutes. Un beau concours de communication scientifique, de vulgarisation scientifique. Voilà, bravo encore une fois à toutes et à tous, ils sont là. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce live en direct de Paris Sciences et Lettres, ici à l'Université Paris Sciences et Lettres, rue Mazarine, à Paris. On a été très très contents de pouvoir vous proposer ces images et ces pitchs. Un grand merci encore à vous toutes et tous d'avoir participé à cette édition 2020. Et puis, on retrouve nos deux lauréats, comme je le disais à l'instant, début avril, pour les demi-finales. À bientôt, fin de ce live. Merci à toutes et à tous, et donc à une prochaine fois.